10. Claire. Attention! Inutile to resistere. Inutile to resistere. Britz sortit du Taranis à la recherche de munitions, d'armes ou de composants sur la carcasse de la machine. Le soldat Berman s'enfuit discrètement, sans se faire. En avant! Non. Small plug hand. Ouais.
certains d'un affaire. Thank you.
victoire. Laisse à mon frère. Sérieux? Oui? Orina Rusa. Hey. Qui as-tu? Non. Quoi? Oui. Oui. Hey. Oui. Je vois. Tu sais? Je suis Desiree. Fais-moi confiance. Je suis Desiree. Quoi? Non. Ils sont là. On y va.
partir Pegman. Inutile to resistere. Inutile to resistere. Thank you.
Bien fait pour vous. En avant. Excellent. Tu es son meilleur. Just meilleur. J'ai sommeil. Nettoyant. Terminé. Qu'est-ce que c'est? Regardez. En avant.
Ouais. Bien tué. Je vais t'aider. Laisse-moi faire. Petit coup de main. Me voilà. Dis-le, je vais. Un petit coup de main. Me voilà. Laisse-moi faire. Je te vais. Dis-le. Coup de main. Laisse-moi t'aider. Je vais t'aider. Dis-le, excellent. En avant. Depuis un char Berman arrivé de nulle part, retentit une voix familière. Cette voix remplie de haine qu'ils avaient pourtant déjà fait taire provoqua des sueurs froides chez les enfants. C'est pas possible, voilà. Juste ciel. Oh non. Quoi? Hé. Vous avez la force de rentrer des ennemis bien plus puissants. Ayez confiance en vous. Sortir Bergman. Nous en avons. Je vais les aider. Foutez-nous la paix. Ouais, pink comme la claire. Je vais souffrir.
Écoute ça.
écoute ça. Claire. Flamkish tomba de ce qu'il restait de son char, s'écroulant au sol. Le visage déformé par la rage, elle dégaina son arme et la pointa, la main tremblante. Vous allez le payer ! C'est terminé. Vous allez le payer ! Alors que Kish s'apprêtait à tirer, son char explosa derrière elle, emportant l'officier Herbermann dans les flammes.
Malgré le soulagement d'être débarrassé d'elle et de son obsession, les enfants ne pouvaient s'empêcher d'éprouver une certaine pitié. Le paysage de roches noires qui s'étalait devant les enfants ne laissait plus aucun doute. Au terme d'un long et douloureux périple, ils étaient enfin arrivés. Entraînés par le ton enthousiaste de la voix, les enfants ne purent répondre. On y va! Allez! Fais ma confiance. Je m'en occupe. Excusez. Allez. Tranquille. Excusez. Fais ma confiance. Je m'en occupe. Excusez. Allez. Tranquille. Je m'en occupe. Allez.
Sebatti! Désolé. Tout va bien. Ah, je suis désolé. Ah. Zive. Petit coup de main. On dit merci. J'y vais. Excellent. Je te cède. Laisse-moi faire. Excellent. Allons-y. Oh, dimanche-moi.
inutile to résister. Inutile to résister. Ne m'arrêterai pas. En examinant les restes de l'ennemi à l'issue de l'affrontement, les Brits, qui étaient le seul à pouvoir la lire, semblaient plus que troublés par son contenu. Quoi donc ? Qu'est-ce que c'est ? Sans un mot, Brits déchira la lettre en morceaux. Les enfants. En avant. En avant. Vous êtes finis. Inutile de résister.
victoire. Les combats contre l'armée Berman s'enchaînaient au fur et à mesure de leur avancée dans la région volcanique. Hey ouais. Avec l'état,
In the field to resist them. Vous êtes fini. Ils sont là.
Saboreuse. En avant. C'est parti. Dis-moi. Je m'en occupe. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Allons-y.
Excellent. The door to the truth. Listen, mon frère. Sérieux? Oui? Tu sais? Merveilleux! Tu vas bien? C'est parti. Je suis avec toi. C'est fini. Tu peux essayer. Voilà, c'est prêt. Voilà. Salut. Tu veux bien? Qui as-tu? Dis-moi. Oui. Oui. Je vois. Oui.
Britz fixait la photo de son pendentif d'un air sombre. On pouvait l'y voir, plus jeune, entouré d'une femme et d'une petite... Britz referma le pendentif et hocha la tête d'un air résolu. Allons-y. Inutile de résister. Inutile de résister.
Le Taranis continuait à s'enfoncer dans la zone volcanique. Plus ils avançaient, plus les offensives ennemies semblaient virulentes. Le corps est vraiment gardé. Il cherche à ne pas de l'air. Un dispositif est un peu. Stimulés par la voix, les enfants poursuivirent leur chemin, insouciants du danger. En avant toutes! Pas de soucis! On y va. Ils arrivent. Foutin de la paix. Fuga!
bien fait pour vous. Mange-moi. Claire. Sartir Pegman. Thank you.
Je peux pas abandonner. En avant. Nous avons réussi.
foutre de la paix. Désolé. Non. Oui. Oui. Je suis désolé. Laisse-moi. J'y vais. Désolé. Non. Oui. Ah bon? Oui. Thank you.
c'est pas le moment. Allez! Un peu de repos. J'ai sommeil. J'ai sommeil. Dis-moi. Qui as-tu? Tu veux bien? Tu sais? Moi aussi. Salut. Thank you. Fais ma confiance. Ça va. C'est lorsqu'ils arrivèrent en plein centre des fortifications Berman un char de guerre gigantesque, semblable au Taranis, les écrasait. Ça dépasse tout ce qu'on a affronté jusqu'à présent. Leurs corps furent pris de tremblements. Gibran. Aux commandes de la créature de métal, Jvan Hax, visiblement d'un grade élevé, se manifesta et contempla. Comme en réponse à sa question, la voix de la radio se fit entendre. Non seulement du côté du Taranis, mais également depuis la machine qui lui faisait face. Hax, d'abord surpris par l'intervention soudaine de la voix, mit peu de temps à comprendre la situation. Gibran. Quoi? Les enfants semblaient perdus, incapables de comprendre le dialogue qui se déroulait à leur insu. Très bien.
Le Tarascus se mit à trembler, dans un grondement sourd et sinistre. Suivi en chœur par le Taranis, comme si les deux machines réagissaient l'une à l'autre. Bon sang. Oh non! Comment? Toutes ces peines, tous ces efforts, pour un sentiment d'impuissance, d'absurdité et de culpabilité. Démarra le Tarascus, et une terrible onde de choc parcourut. Suite au choc, la voix de la radio avait perdu son air limpide pour une tonalité bien plus. Comme succédant à la voix qui s'effaçait, la silhouette de lumière apparut et prit la parole. Bonne question. Comment? Sapristi! Non, non, non! Espèce de... Attention! Tout in the la paix.
Captain La Pen. Je peux pas abandonner. Abandonner. Coutez de la paix. Pen.
Graha Beerman! Sans doute dû au soudain dysfonctionnement du Taranis, ses attaques semblaient inefficaces face au Tarascu. C'est alors que l'armée de Gasco, qui avait suivi le Taranis à travers les défenses Berman... En une fraction de seconde, la déflagration du tir transforma le gros des chars gascons. Seul le Taranis put contenir l'attaque, de justesse, grâce à son bouclier. Mais l'activation de ce dernier... Oh mon Dieu... Bon sang... Oh non... Hax reprit un air de satisfaction, tandis qu'il faisait lentement avancer. Non, non, non. Tandis que Schwein Hax se dirigeait vers Parésia, à bord du Taraskus, les enfants reprenaient peu à peu leur sang-froid. Mais le plus inquiétant était que Britz, lui aussi, manquait à l'appel. Accompagné par le reste des troupes Berman, Schwein Hax se dirigeait vers la... Pendant ce temps, les enfants avaient découvert le dernier camp de détention et s'empressaient de libérer... Des larmes de joie ruisselaient sur leurs museaux. Leurs familles, leurs amis... Tout le monde était là, sain et sauf. Oh oui! Parfait! Youpi! Parmi les rescapés, une mère et sa fille attirèrent l'attention des enfants. Elles ressemblaient à s'y méprendre à la femme et la fillette sur la photo du pendentif. Les enfants interpellèrent la femme afin d'en avoir le cœur net. Après le départ de Britz pour l'armée, elle et sa fille avaient continué à être persécutées. Pour protéger... Lorsque les enfants lui expliquèrent que Britz s'était battu à leur côté,
La femme ne put retenir. Elle s'en était voulu tout ce temps d'avoir quitté le pays sans lui et avait abandonné l'espoir de le revoir un jour. Bon sang ! Ah. Alors que les enfants savouraient leur retrouvaille, la voix de la radio les tire. La voix était posée comme à son habitude et avait perdu son intonation. Quoi ? Sapristi ! Oh mon Dieu ! Bon sang ! Oh là là ! Ce n'était pas une décision facile pour les enfants. La puissance destructrice du Tarascus les terrifiait. Et ils doutaient de plus en plus de la voie qui les avait guidés. Ils trouvaient injuste que cette responsabilité revienne à eux. De simples. Cependant, toutes les forces armées de Gasco et les adultes du camp n'étaient pas non plus aptes à combattre, bien trop épuisés par le travail forcé. S'ils venaient à attendre les renforts, le Vanargand risquait de s'éveiller et de mettre le pays à feu et à sang. Sans compter qu'indirectement, ils étaient eux-mêmes responsables de l'activation du Tarascus. Pour l'instant, nous sommes les seuls à pouvoir protéger ces terres et les gens qu'on aime. À l'insu des adultes qui les suppliaient de rester, les enfants remontèrent à bord du Taranis. Samal Burhan! Dibé! Allez! On y va! J'ai une idée! Papi! Mami! C'est pâté! Tu peux essayer. Au boulot. Allez, hop! Jibra. Oui, monsieur.